Ok, on peut avoir le retour. Donc plan large, hein, large à fond. Tu le manges. Ouais, ouais, bien sûr, ça se tombe. Il va falloir se pousser pour que... Recule encore, ce sera mieux. Tu y es, Laurent. Moteur. Silence. Silence. Action. Fais-le affirmatif. Tu prends, paf, t'hésites pas. C'est pas mal, hein, c'est pour voir. Ouais, t'as fait parfait. Je l'attrape. Tu vois, comme un combattant, quoi. Tu vois. Oui, non, mais d'accord, oui, oui. Moteur. Action. Coupé, t'en sors une. Essaye de bien le choper, tu vois. Ouais, ouais. Tu vois, c'est pas évident. Ça y est, comme j'ai la fille de poing, je vais attraper plus haut, tant pis. Hein. Ouais, non, le truc c'est que tu vois, c'est un geste franc, quoi, tu vois. Oui, oui, non, mais c'est quoi. C'est bon pour toi, Laurent. Je vais l'attraper trop bas et je sais, c'est ça qui me gêne. Pas grave, je vais l'attraper. Non, vas-y, tu peux l'attraper. Non, mais c'est pas grave. Trop haut, après, on est gêné par le bout de la fourche. Moteur, moteur, geste franc. Action. Parfait, magnifique. Super. Coupé. Ok, en place. Il va cadrer comme ça, donc il faut voilà, tu mets par là. Okay. Donc là, on va prendre, on va te prendre en plan large. Qu'on active le trave, mais en gros, ouais. Ça, hein. Nous, on va décaler. Non, mais on peut activer un peu. Il va pouvoir passer. Là, ça va se voir avec moi. Beaucoup de poussière pour la première fois. Voilà. Non, mais c'est bon, ça passe. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas débranché le casque. Sinon, ça fait. C'est bon, j'ai la session. Okay, on a 2-8, on était. Allez, on y est! Vas-y, Thierry, mets-toi là. Ouais, c'est bon, ça ira. Hein. Allez. Ok. Ok, parfait. Allez, en place! Attends, peut-être pas. Excuse-moi, parce que je vais passer là. Moteur! Tu le fais lentement, Serge, hein? Ça tourne. Action! On s'en fait une juste du glissé. Il faut que je la monte et je la descends parce que je veux. Non, ouais. Je le comprends. Voilà, ça, et tu vas faire ça. Est-ce que tu vois, le dessus, parce que le bruit va changer. Ouais, mais est-ce que je le fais dessus? Bah, c'est, on va tricher. Ouais, je pense. Ouais. Et de suite, tu vois, t'es comme un chevalier, quoi, tu vois. Et de suite. Je vais faire doucement. Enfin, je veux dire. En fait, si tu veux, dans le comportement du gars, s'il arrive tranquillement, comme doucement, et s'il n'a pas la même attitude que s'il arrive avec une violence, c'est quoi. Bien sûr. Donc, s'il arrive avec une violence, il arrive plus vite, avec beaucoup plus de. Je dirais une sûreté, une détermination. Et après, quand je dis doucement, c'est juste pour la caméra. Tu vois, c'est ça que je veux
ça que je veux dire. Je trouve que le Réa, là, il ressemble un petit peu à un Afghanistan. Tu vois, ouais, c'est le Kozak. Après, bon, si tu le sens autrement, tu vois, il fait ça, il sait qu'il va jouer, quoi. Tu vois, il sait qu'il va jouer au chat à la souris, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et il va faire, et comme tu le disais, le bruit, il va faire tourner, ce qui fait que le bruit, tu vois, c'est pas, il tourne, ah, il retourne, il n'y a pas de bruit, tu vois le truc, quoi. Et il faut essayer. C'est le plan large, non, le plan large, lui en plan large, toute la scène en plan large, voilà. Et ce qu'il faut, c'est que, en fait, il faut que tu recules, Scott. Ah, recule, il faut. Voilà, il faut être plus loin, en fait, voilà, ok. Hop, je sais pas, peut-être comme ça, voilà. Ok, tu vois ce que je veux dire, qu'on est toujours en plan large. Il était trop près de la caméra. On essaye. Dès qu'il prend la fourche, il va. Action. Tu vas pousser, Scott. Allez. Tu pousses dans l'autre sens. Ok, coupé, parfait. On va filmer le. Ouais. Filme la fin. Pire, et tu essaies de le faire tourner le truc doucement, tu vois. D'accord. Ouais, ok. On y est, les gars. Ouais. Moteur. Attends. Allez. Je suis la caméra. Ouais, voilà, ok. Action. Tire, tire. Ok, parfait. On sort fun. Il faut. C'est pas mal. Il faut. C'est bien. Il faut qu'il soit un petit peu plus loin en fait. Et là, tu suis bien la fourche. Hein, alors. On reste à cette distance, faut pas que ça te trop près de la caméra. Ok, moteur, donc tu restes bien. C'est la fourche qui nous intéresse. Hein, okay. Ok, moteur. Action. Vas-y, tire, 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 stop. Magnifique, le visage de Serge et on va passer à la suite. Le visage de Serge. Voilà, par contre, il faut essayer de rentrer un petit peu. Voilà, comme ça, tu ne sois pas trop battu. Essaye de faire la. Une un petit peu. Ok, magnifique, super. On tourne le trave pour l'utiliser dans l'autre sens. Enfin, on tourne le bordel là, le chariot. On fait l'inverse. Là, on va le suivre comme ça. Donc, la caméra. On tourne le chariot. Donc là, c'est là où on va voir, là, donc Yves, tu seras dans le plan. Et c'est là où il faut qu'on s'arrange pour que tu commences à emmagasiner du foin. Tu vois, quand tu vas arriver là-bas, tu vas jeter le foin. 42 plans dans la journée. Donc là, on va te suivre nous de derrière. On va le mettre. Grosse journée. Grosse journée. T'as vu comment on enchaîne un peu? Bam, bam. Je la lâche pas, moi, j'enchaîne. Tu vois le truc, ça fait ça. C'est pas les moins chers, je cherche la chose plus fiable. Dans quel sens? Ouais, enfin, on n'a pas besoin pour l'instant, mais... Je n'ai pas le bien en compte, ils ne sont pas que les commerçants, là, quoi. Ce qu'il faut, c'est que... Parce que même sont sous-traitants, je sais. Parce que là, mais bon, ça ne me gêne pas. De ils font une partie du travail à ma place. Et
Donc, non, les cassettes, les DVD, parce qu'il faut faire des cassettes aussi. Oui, parce que direct, donc, on n'a pas de DVD, de lecteur DVD, donc... Je me permets, Serge, pardon. Tu le veux ? Oui, je ne suis pas pour toi, mais non. Faites gaffe à la poussière, hein, je vous dis. Les caméras, c'est pas bon. Il y a vraiment beaucoup de poussière. Hein. C'est, quand ils soulèvent ça, c'est... Protégez les caméras, les gars, hein, parce que vous allez avoir des problèmes. Hein. Moi, j'en ai eu pour pas mal d'argent, un truc comme ça. En réparation ? Ah ben oui. Ça se fout dans le tambour, tout ça, et ça te fout la caméra en l'air. Hein. Dans des trucs comme ça, ici, il faudrait quasiment protéger la caméra avec une housse. Hein. Mm. Le mieux, c'est du plastique, tu sais, qui se colle là. Ce sont des bombes, même en silicone. Ouais, ça, c'est bombe, pour ça. Le désert et tout comme ça. Ouais, mais bon, d'accord, mais bon, ça protégera jamais aussi bien quand même. Ah si, si, ça fait un film comme si c'était un plastique solide. Et comment tu fais pour ouvrir après tout ça? Non, on appuie sur les boutons, ça marche quand même. C'est une fine pellicule. Ah d'accord. Ça, c'est pour les trucs dans le désert et tout comme ça, les mecs, ils colmatent tout. Quoi. Rien ne vaut une bonne protection de... parce que la poussière, c'est terrible. Pour ouais. Pour celle-là. Voilà, on ferme avant de... Mais là, elles vont venir. Hein. Faut pas qu'elles le bougent. Si. Ah bah non, celles sont là, c'est pas grave. C'est pas bon. Parce que là, elles vont venir. Hein. Ok, et on en laisse un peu. On en laisse un peu, tu vois, et lui, regarde, lui, on va suivre ça, lui, il va avoir, il fait ça, il va avoir un peu de foin, là, chut, tu vois, chut, et après, chut, il va jeter le poulet. Voilà. Voilà l'idée. Il y en aura de plus en plus de brebis. Parce que, les brebis. C'est pour ça que. Il veut m'expliquer que la brebis trie le fourrage vert d'abord et mange ensuite le moins bon. De la veille. C'est comme nous, hein, au frigo, on prend le frais. Yves, tu peux aller chercher le grand-père. Oui, le grand-père, t'as vu? On va essayer de voir. C'est lui là-bas, c'est qui est blanc, il est tout blanc. Non, c'est vrai, c'est le vieux. Comment il fait? Le monsieur qui est tout blanc là. Voilà, lui là. Hop, le chapeau, on empêche le petit droit d'air. Hein? T'as vu? 4. Tu vois tous les 5? 1, 2, 3, 4. Ah, il était avant ça. Ils sont deux peut-être. Ce qui est pas mal, c'est la garrigue. Tu connais ce que la garrigue, c'est... Tu connais ce que c'est? Ah, pardon. Je connais le campagne. Tu vois, tu recules. Ouais, les mecs, ils sont d'accord. Bon, après, c'est un peu des néo-néo. Il y a pas moi à la connaître, j'ai tourné avec 300 personnes hein, qui sont venus à la fête. Pour une... mais, ils sont pas venus exprès. Hein. Mais j'ai profité, si tu veux, qu'il y avait la fête du village. Hein, pour dire, écoute, je suis avoir le maire, il me faut un copain comme que je suis, tous les deux. Et maintenant, en fin de compte, il me faut une fête, tu vois, extérieure, tout ça, l'été. Il me dit, écoute, on a fait telle fête à tel moment, si tu veux. On a tourné comme ça. Moi, je suis monté sur la scène. En compensation, il y a Jean-Claude et Jean-Paul qui vous feront le numéro, puisqu'il y aura un podium avec les micros et tout ce qui s'ensuit. Et donc, eux, ils ont fait le numéro de le show farci. Ouais. J'ai été ravi. Moi, avant, je suis monté sur ça. J'ai expliqué à tout le monde que, bon, on tournait un film, tout ça, que s'il y a des gens qui souhaitaient ne pas être filmés, qu'ils le disent, que, qu'on le tiendra compte, qu'on les mettra à l'écart ou qu'on ne les filmera pas. Donc je le dis en public, on pense, hein, j'ai fait ce qu'on veut dire publiquement, où il y a 300 témoins bien qui sont sûr. Là et qui peuvent dire si monsieur l'a dit sur la scène, il a dit que si tu ne veux pas être filmé, tu n'as pas osé de faire signer 300 machins.
faudrait vraiment que... Il y a un truc aussi, je crois, enfin je sais pas, si j'ai vu que c'est les mecs, ils écrivent, filment en cours de tournage et ils filment le panneau, comme ça. Tu vois, les gens... Non mais c'est écrit, les gens peuvent pas dire, c'était écrit. Pour l'histoire de l'image, là, ça marche pas toujours ça, enfin je crois pas. Parce que là, t'as un témoignage, t'as 300 personnes qui peuvent témoigner. Donc s'ils veulent pas tous témoigner, t'auras le maire qui m'a fait un papier, d'ailleurs. Un papier au maire. C'est comme quoi j'avais demandé l'assentiment à la population avant de tourner. C'est pas Paris quoi. Paris, ouais, Paris, c'est ça crame. Mais c'est magnifique. C'est où nous? C'est quoi le nôtre? Ciné. C'est nous. Oh ouf, on va en prendre aucun. Hein. On leur dit qu'on en prend qu'un de conteneurs. Je l'avais dit, mais... On l'embarque comme ça? Oui. On va le prendre comme ça. Si je joue dans un conteneur... Non. C'est vrai qu'on va prendre de la place, c'est que ça prend. Bon. On va là, moi, j'ai tout de suite, comme ça arrive. Je pense, ouais, normalement, dans la logique... Vous avez un micro-ondes? Non, mais je pense que ça devrait aller. Je vais chercher. Oui, il arrive, il est allé chercher. Merci beaucoup. Voilà. Il ne faut pas aller chercher. Ah, écoute, moi j'ai pris tout ce qu'il y avait. Alors, les nôtres, j'ai tout pris. Parce qu'il a dit qu'il allait aller chercher. Ben ouais, mais. Il faut aller vous chercher, nous, c'est où? Non, non, monsieur. Qui peut s'en foutre? C'est un peu calme, merci beaucoup. Mais merci beaucoup. Allez! Doucement, doucement. Voilà. Voilà, rodéo. Ok, tranquillement. Et par contre, Yves, faut qu'on voit le bois qui se ferme. Ouais. Non, mais faut qu'il passe franco. Faut qu'il passe franco. Il cache tout. On voit pas le bois qui se ferme. Non, mais il faut qu'il passe franco, ça marchera. Je vais appuyer là. Ok. Je vais appuyer là. Ok, vas-y, alors attends, lève-toi, Yves, lève-toi. Mets la tête de la bestiole. Mets la tête du petit. C'est le cadre, Laurent. Recule-toi, Yves. Ok. Voilà, c'est pas. Voilà. Ok. Non, mais il faut que tu tiennes, par contre, je vais le tenir. Je vais pas être dans le champ. C'est pas là, c'est pas Patrick là. Ouais. J'ai mort. Ok. Ok, moteur, ça tourne, ok. Attention, Yves. Vas-y, Yves, pousse-le. Coupé, on s'en fait une, c'est pas mal. Ça marche. Vas-y, remets la bestiole. Allez, action, vas-y. Ok, parfait, mais ça suffit, c'est bon, on verra le truc là-haut, c'est bon, ça marche. Ok, coupé, superbe. Voilà, et ce qu'on peut faire, c'est mettre la caméra là, et par contre, tu vas pouvoir, on va te bloquer, et il va ouvrir, et on va mettre la caméra là, il va libérer son bras, quoi. Ok, mettons la caméra de l'autre côté. Ça, il tire, oui, comment il fait? Montre-lui, peut-être. Oui, il tire. Tu vas vraiment te débloquer là-bas. Il tire en appuyant sur la poignée.